Quels sont les bons aliments pour vos yeux? Alors, on va commencer par toutes les vitamines, il y en a un paquet. La vitamine A et le bêta-carotène qui aident à transformer la lumière en signal nerveux. Quand on perçoit des informations, ça rentre évidemment dans l'œil, et derrière, la rétine le transmet au cerveau par un signal nerveux. Vous allez retrouver ces aliments dans les carottes, c'est pas ces aliments dans les carottes, mais ces vitamines dans les carottes, les abricots, les melons, la laitue par exemple. Ensuite, on va avoir la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant, ça, on le sait, et ça aide au bon fonctionnement des cellules de la rétine, là encore. Ça diminue aussi le risque des cataractes et le risque de développement des DMLA. On va retrouver ça dans les oranges, les clémentines, les myrtilles, mais aussi le poivron rouge. La vitamine D, faut savoir que quand on a une carence en vitamine D, on a presque 3 fois plus de chances de développer une DMLA. Je parle de carence, hein. Donc, il faut consommer pour éviter ça des fromages à pâte dure, des œufs, du beurre et des poissons comme le maquereau. La vitamine E, elle, c'est un antioxydant qui va protéger les cellules des yeux contre ce qu'on appelle les radicaux libres. Vous allez retrouver ça dans les amandes, les noisettes et aussi l'avocat. Les oméga-3 luttent contre le syndrome de l'œil sec et la DMLA encore. Et là, on retrouve ça essentiellement dans les poissons gras comme le maquereau, le saumon. Ensuite, vous allez avoir, allez, on va passer un peu, mais le zinc, qui est un minéral, qui est très important puisque la rétine est très riche, je fais ça comme ça parce que c'est derrière la rétine, qui est très riche donc en zinc, cette rétine. Et après, vous avez aussi la lutéine qui va bien vous aider et que là, vous allez retrouver dans tout ce qui est épinards, brocolis, maïs et encore l'œuf. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, posez-les. Suivez-nous pour avoir encore plus d'informations sur la vision. Et je vous dis à très bientôt chez Atoll.